Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau let's play, ce nouvel épisode de Stardew Valley, pardon. Donc je vais parler tout bas parce que vous connaissez encore une fois la chanson. Alors, je pense qu'est-ce qu'elle a fait? Je me suis levé tôt pour nourrir les animaux. J'ai aussi remis de l'eau dans l'abreuvoir. C'est trop cool. Sérieux, c'est trop cool. Nos poules se portent bien, nos canards aussi. Voilà. Voilà, voilà. Ça c'est fait, donc on mange pas. On va voir les vaches. Comme ça on aura du bon fromage. C'est dommage qu'on peut pas redéplacer après la ferme, vous savez. Ça c'est vraiment dommage. Et là, nous, ce qu'il nous faut, bah, du bois et de la pierre, évidemment, puisque j'ai tout donné pour ça, mais moi, je veux mon cabanon. Donc, du coup, comme je veux mon cabanon, on va le faire, bien sûr, maintenant. Enfin, on va farmer pour bientôt. Je vais peut-être prendre toutes les parcelles de mon terrain, maintenant, je vais commencer. Hop. Donc du coup j'ai des choses aussi à faire, donc ouais peut-être ici à côté, je sais pas encore, on verra bien. On verra bien l'amélioration. Après moi j'ai pas le truc de luxe encore. En fait on va partir pour prendre, déjà, on va partir pour prendre en fait si vous savez les... On va aller voir à la mine, si c'était bien un nain ou pas, parce que j'ai le langage maintenant. Oh. Oh. Regardez, il y en a plein là, des asticots. Oh. Oh. En fait, comment elle fait pour améliorer mon truc si elle est là? Ah merde, il y en avait là. Bon, elle doit pas être là, je sais pas. Attendez, on va voir s'il prend les cannes à pêche. Maintenant, c'est à 14h. Tu n'es pas un espion envoyé par le peuple des ombres, n'est-ce pas? Ah oui, si, regardez, là, j'avais pas vu. Jeter à l'œil. Alors, élixir de vie, huile de l'ail, buvez ceci, petite bombe, bombe, méga bombe, friandise de mineur. Waouh! Épouvantail de collection. Allez, on le prend. Nous allons au 60e étage, ce n'était pas prévu. Alors, peut-être que je peux pêcher des poissons de ouf ici. En tout cas, ce serait chouette. Oh, regardez-moi ça. Ça, je dis oui. Dégage! Des géodes gelées. Bah, en fait, les géodes, ça peut être pas mal, hein, quand on y pense. Bah, ah oui, c'est vrai. Le boulet. Il y a la Fantominus. En fait, je les tue parce que peut-être il faudrait que j'aille voir le tableau de chasse, en fait, si je remplis les objectifs ou pas. Il n'y a rien d'intéressant à prendre. Mais au moins je pète les ennemis. Oh putain, mais j'ai de la chance là ou quoi? Ça se passe comment? Et j'ai plus rien à arroser pour le coup. Ah, c'est vrai que l'autre il vend des graines saisonnières. Ah. Oui. Des bottes de combat. Ah, oh, putain, merde. J'aurais su ça. J'aurais jamais acheté les miennes. Ça m'a coûté une fortune. Ah, il y a ma fille qui se réveille. Toujours au mauvais moment, quand j'enregistre. Bon, j'arrive. Les amis, allez, on finit juste ce combat. Ah, poisson spectral, j'ai un poisson spectral. C'est pour mon... 3 de la balle. Pour mon... Merde. Le centre communautaire. 3 de la balle. Bababababal. Oh, ils sont chiants, ils viennent de partout. Et tu sais que c'est le décor derrière. Oh. Dégage! Oh, des carottes des cavernes! C'est trop de la balle, il en faut une pour Marne et tout! Oui! Dans le champions, my friend! Et la coupure de courant. Ah bah, je crois qu'on va dégager d'ici, les amis. 65, c'est un bon petit niveau, je trouve. Lui, c'est 19 ou 20 heures. Alors attendez, on va aller voir, on va aller checker. Allez, vite, 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 plus vite, Rabbi Jacob! Qui est... Wow, wow, wow. Alors mec,
J'ai les bottes de combat. J'en ai plus besoin. Écoute, c'est super ta collection. Ouais. Alors, j'ai 116 slim. Ok, 0 sur 150, 154, 64. Oh, j'ai encore du boulot. Eh, t'sais, j'étais là en mode. Putain, j'étais là en mode. J'ai l'impression que j'avance bien et tout dans la découpe des monstres. Et en fait, c'est tout autre. Je suis une pauvre merde. On a des géodes. Et on va passer devant le centre communautaire. Hein, on va y aller. Et on va placer aussi notre carotte à la con. Alors rien que pour ça, je suis content d'avoir été à la mine. C'était pas prévu. Je sais pas pourquoi j'y suis allé d'ailleurs. Voilà, c'est ici. Et pour les carottes, je crois que c'est dans le cellier. Ouais. Bingo. Comme ça, l'autre, on va pouvoir le donner à Marnie. En fait, de base, je voulais farmer du bois et tout pour la grande. Mais on a le temps parce que le temps qu'elle fabrique, elle a 3 jours. Donc, le temps qu'elle fabrique ça va quoi. C'est pas. En tout cas, je suis content parce que 8 slims de givre dans les profondeurs glaciales de la mine. Allez, je vais accepter parce que c'est vrai que j'en tue beaucoup. Et que. Par contre, il en faut 2 jours. Oh putain. Ah, on peut donner une larme gelée à Gunter. Minerai d'or. Bombe. Ok. Eh, c'est quoi ça en fait? J'ai pas vu, attendez. Gunter, ok, bah Gunter, voilà, on ira le voir. Minerai d'or. J'en ai 5, on peut en faire cuire. Ah. Les 100. Voilà, bon, bah demain on sait ce qu'on va les donner à Marne. Comme j'ai dit, après le reste du temps, on a le temps de. On a le temps de tout mettre en œuvre pour l'agrandissement. On a une deuxième année, enfin on a plusieurs années, donc voilà, on s'en fiche un peu. Mais c'est vrai que, ouais, moi je trouve ça pas mal. Là, une bonne petite avancée, tranquille. Pépère. Auron, je suis à la recherche de l'art perdu de la divination de l'ombre. J'ai besoin d'un objet connu sous le nom de Essence du Vide. Apporte-le-moi, je te récompenserai, monsieur. D'accord, ça c'est une quête donc du sorcier réactif noir. Une essence du vide. Merde. Ah, mes canards, ils sont grands! Œuf de canard, bah voilà, centre communautaire. Voilà, on va voir. Alors, je vais en mettre 2. De toute façon, voilà. Ça y est, donc ma grange, là, elle est agrandie. C'est ça? Ça y est, c'est fait? En fait, quand ils sont agrandis, ils ont juste un petit rajout. Pas un truc exceptionnel, c'est. Enfin, t'as ça qui part. Mais bon. Alors, on doit aller voir Marne. Pour la simple raison que. On veut des trucs, puis lui donner sa carotte. Alors peut-être que elle, je ferai une amélioration et je rajouterai des vaches plus tard. Ah! Oh, tu m'as rapporté la carotte des cavernes. Merci beaucoup, monsieur Auron. Ça a l'air très bon. J'ai presque envie de la manger moi-même. Presque. J'espère que cela n'a pas causé trop de soucis. Je t'en suis très reconnaissante. Bah non, c'est juste que j'avais peur de plus en trouver et qu'il fallait en trouver là-haut, quoi. Alors, acheter des animaux. On peut acheter des chèvres. 4000, mais t'es ouf, toi. J'ai dépensé tous mes sous, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Mais j'ai pris les ciseaux parce que je pense qu'on peut leur couper quand même des poils ou je sais pas, mais en tout cas, faut s'en occuper. Et puis s'il y a des moutons dans le futur, bah voilà. Alors j'ai aussi repris direct le radiateur pour qu'il fonctionne parce que là, les petites, ils vont avoir froid, sinon ils vont se les peler. Donc on va le mettre là. D'accord, mais ils s'habituent. Bon, la maison elle est grande. Voilà, on a nos chèvres. Mayonnaise de canard, d'accord. Oh, de course, ça existe en vrai de la mayonnaise de canard. On va lui donner l'œuf. Et les géodes, et ça, Gunter, l'alarme. Oh, regardez-moi ça. Un livre de collection. Oh là, regardez, punaise, ils se mettent carrément à la fin. Ça rebondit sur moi et sur l'écran noir. C'est quoi de ce truc, Gunter de l'Hespérite? Encore un peu, on aurait été de
Du piment d'Espelette. Alors Gunther, tiens-toi prêt parce que j'arrive mon gars. Tu vas pas le voir venir ce qui va se passer. Ah, je le sens. Alors j'ai envie de le mettre là. Attendez. Alors ça je sais pas où le mettre l'alarme. Là. Ça, je sais pas si c'est un minerai ou pas. Alors du coup je vais le mettre là par précaution. Voilà une boule. Et ça ici. Dommage qu'on peut pas l'organiser. Voilà, on a tout donné à Gunther. Dommage qu'on peut pas voilà ouais, faire Oh grand nounours. J'ai un gros nounours. Pierre océanique. Ok. Espérite, les cristaux scintillent d'une vive. Ouais, j'ai eu raison de la mettre là. Alors par contre la boule, je sais pas. Aigle marine, une gemme bleue. Ouais, bon. C'est dommage qu'on peut pas refaire en fait repositionner les trucs. Mais écoutez, là, je vais essayer de pêcher avec la nouvelle canne à pêche. Bon, j'ai pas mis d'hameçon ou quoi, mais on verra ce que ça donne. Ça fait bizarre l'écran avec les flocons qui tombent comme ça. Enfin, on dirait des pixels qui. Ah ouais, regardez, le truc, il est plus grand. Une sardine. Eh ben, il fallait pas une sardine pour le centre communautaire? Finalement, on va bien avancer. Oh, un rouget, il en faut un aussi. Punaise, qu'est-ce que c'est beau quand on avance dans ce jeu. Tout est une récompense, moi je vois comme ça. Oh yeah, une sardine. On fait tourner les serviettes. Et comme ça nous fait un peu de l'expérience aussi en termes de pêche. Là, comme ça, j'avance en même temps. On a galéré. Oh, j'ai cru que j'allais jamais l'avoir, hein. J'ai déconné. Oh, encore ce concombre de merde. En tout cas, c'est un nouveau record qu'on l'a. Ah, c'est vrai que ça manque de. Je trouve ça manque de magasins de vêtements. En fait, c'est dommage que. Enfin voilà, il a implanté des chapeaux, des bottes pour les trucs, le stuff. Mais c'est vraiment dommage qu'on n'a pas un truc comme ça, puis faire ses propres vêtements. Alors qui sait, peut-être qu'il y a, que j'ai pas encore vu, mais. Ça serait juste stylé en fait. Là, j'ai encore rien. Je crois que j'avais déjà mis une sardine en fait. Non? C'est quoi ça? Non, ça c'était la dorade. La dorade. Et là tu vois, t'as la perche qui est là. Carpe. Barbotte. Non, je veux pas. Donc là, fantôme ennemi. Je crois que là, il y a. Bah allez, voilà les deux. Ah! Non, c'est pas ça. Ça, c'est un rouget, mais il faut. C'est pas le même rouget. Ah merde. L'œuf de canard. On allait l'oublier. On est parti sans remettre l'œuf. Laine. Grand lit de chèvre. Ouais. Bah ça, on en aura au fur et à mesure, de toute façon, vu qu'on fait nos trucs. Voilà, donc on va vendre du coup. Ah, salut! On peut pas parler. D'accord. Alors, ça. Alors là, maintenant, je vais mettre tout ce qui est pierre là-dedans. On a re-eu 10 de cuivre. L'arme, charbon. Sans mon avis, il faudra qu'on retourne dans la mine. Et puis, de toute façon, il faudra qu'on y retourne pour la simple raison que j'ai n'ai que 55 minerais de fer. Et il nous faudra. Bah, il nous en faudra plus de l'or. Hein, de toute façon, du maison, du café. Lingot d'or, charbon. Donc, machine à graines. Placez vos récoltes à l'intérieur pour produire une quantité variable de graines. Bon, on verra bien. On verra bien. Est-ce que j'ai nourri mes vaches? Les chèvres, j'en suis sûr que oui. Donc de toute façon, on va acheter 8 chèvres après. Et comme je vous dis, on améliorera celle-ci pour mettre 4 autres vaches. Comme ça, on va produire en boucle, les amis, vous avez pas idée. Donc celle-ci, c'est un petit mélange. On a un petit mélange, mais bon, c'est pas grave. On va voir si le chauffage de mes chèvres fonctionne aussi. Alors par contre, je vous cache pas que là, on est que le 12. On n'est que le 12 et malheureusement, je pense que mes réserves sont en train de chuter à grands pas. 233, il y a de quoi faire. De toute façon, un silo, je pense que je vais en racheter deux. On va les mettre à côté, hein, on ne va pas changer. Et là, en fait, j'ai donc gros nounours à mettre
Et normalement, on a le cadre. Voilà. On fait dodo. Ah, et voilà le travail, les amis. On a fait une nouvelle journée. En tout cas, on va se quitter sur ces images. Donc 4186, c'est vraiment pas mal. On a vraiment fait du bon travail. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Donc on remonte à 11 000. Donc là, on va essayer de rééconomiser. Ou on va dépenser pour les chèvres. Je ne sais pas encore, on verra. Sur les chèvres, ça va être rentable. Les mayonnaises de canard, ça va être rentable. En fait, tout va être rentable. Et si je peux déplacer après. Oui, je crois que je peux déplacer dans le clos les canards et les poules. Donc ce que je ferai, c'est que je referai un poulailler avec un transfert. Voilà. Je pense qu'on fera ça. Allez, sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye!